La CCI du Pays d'Arles a souhaité être partie prenante de cette étude, donc, parce que d'une part, il nous manquait une vision régionale, même si on avait une vision départementale avec la note de conjoncture des Bouches-du-Rhône que nous faisons avec la CCI de Marseille. Cette notion régionale nous manquait fortement. L'intérêt de développer un baromètre régional est de pouvoir benchmarker d'abord les actions que nous menons et avoir regroupé l'ensemble des dispositifs qui sont proposés en termes de mesures pour ensuite pouvoir, nous, à notre dimension territoriale, zoomer de manière plus fine sur les actions que nous menons, en particulier sur la métropole. La Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-de-Haute-Provence est tout à fait partie prenante de ce qui se passe à la Chambre régionale. Pour ce qui est plus précisément de la note de conjoncture, eh bien, je crois qu'elle vise deux publics. Le premier, c'est celui des entreprises, et ça permet à celles-ci de pouvoir se situer dans une conjoncture économique régionale, donc plus globale. Et puis le deuxième, c'est effectivement orienté, il me semble, vers les pouvoirs publics pour effectivement, là aussi, pouvoir leur permettre de mesurer combien l'économie en général est importante et combien la place des entreprises compte dans ce qui se passe. En situation. Une note de conjoncture est une étape, est toujours un rapport d'étape qui prend le poumon de notre économie. Et on sait que l'économie, c'est elle qui traîne l'ensemble de nos salariés, l'ensemble de l'envie de nos chefs d'entreprise de continuer, de venir dans notre région, dans notre si belle région. Et bien sûr, on ne pouvait pas faire autrement, à la demande de Dominique Estève, que de participer à cette enquête. Tous les services de notre chambre ont été mis à disposition et nous avons eu à peu près 540 entreprises qui ont répondu. Et quand on sait que c'est du temps sur le temps, je voudrais ici remercier nos chefs d'entreprise qui ont bien voulu s'adonner à cette petite formalité, si l'on peut dire. Et dans l'avenir, j'espère que nous irons croissants.